j'ai remarqué quelque chose qui est ressorti clairement, c'est l'absence de l'État. On ne voit pas la réaction des autorités, on ne voit pas la présence de la police, la présence des autorités municipales. Les fossoyeurs se sont accordés des quasi-pouvoirs qui reviennent à l'État. Donc, ça montre une des réalités de la RDC, l'absence d'État. Donc, ce film, ce n'est pas un pamphlet contre un gouvernement défaillant, etc. C'est juste une manière pour montrer, pour moi, quand on parle d'une population urbaine, quand on parle de bidonville, etc., c'est une figure, c'est un mot, et tout de suite, ça couvre tout. Mais en fait, on ne voit pas le contenu de ce mot, on ne voit pas le contenu de cette figure, et moi, j'ai voulu montrer la vie de tous les jours de ces gens qui vivent dans ce cimetière. Hoe komt dat u toch niet ook een ander personage in het verhaal hebt ingestoken die misschien een andere kant van de Kinshasa laat zien? Ik vind niet dat die film, persoonlijk lees ik die niet zo, dat dat een miserabilistische film zou zijn of een fatalistische film. Ik vind dat niet. Maar ik sta nu vrij om dat wel te doen. Quoi que l'on dise, dès que vous projetez ce film à Kinshasa, soyez sûr que vous aurez les mêmes questions et peut-être les autorités vont se réveiller. Peut-être.